Au siècle dernier, on avait l'habitude de considérer que le pouvoir était essentiellement détenu par le politique. Puis Marx a eu parfaitement raison de montrer que le pouvoir était essentiellement de type économique. Je crois que les deux se combinent bien et pendant très longtemps, ça a fonctionné comme ça. Maintenant, il y a de moins en moins de pouvoir de la part du politique et l'économique fonctionne de façon abstraite. La vie économique moderne est une vie qui est fondée en grande partie sur la production de biens qui ne sont pas indispensables pour l'homme. On a accepté que tout soit fondé sur la vie économique. Et en définitive, je crois que si on donnait une autre raison d'être à l'homme moderne, on pourrait sortir des lois du marché sans mal.